2h30 de jeu, sans compter l'interruption due à la pluie. Le français fait beaucoup d'efforts. Ouais. Un jeu à zéro pour le Suédois. On a un petit peu peur pour Henri Lecomte, tout simplement parce que, on vous le rappelle, l'année dernière, il s'est fait opérer du dos juste après Wimbledon. Il avait déclaré forfait à Wimbledon. Il avait subi sa troisième opération du dos. Il n'avait joué que 6 matchs avant son grand rendez-vous historique pour la finale de la Coupe Davis à Lyon. Et puis il a quand même peu joué depuis le début de l'année. Les conditions sont dures, il fait froid. Allez, froid, j'exagère. Il fait frais, temps très humide. Et s'il veut gagner ce match, il va falloir qu'il joue 5-7. Heureusement que Lecomte n'a pas eu de match difficile encore depuis le début de cette épopée à Roland-Garros, puisqu'il a tout gagné en 3 manches jusqu'à présent. Quelquefois des sets très serrés, mais ça lui a permis de s'économiser. C'est bien, il est vif sur ses jambes encore. Il est à l'intérieur des carrés de service pour volleyer. Oh là là, quel matraquage du fond du court de la part de Kulti. Il adore les balles qui sont à hauteur de hanche. Quoi faire en relance, Kulti. Quand il essaye d'avancer, la balle monte tellement vite qu'il la prend au-dessus de son épaule. Il n'est pas à l'aise pour attaquer. Et s'il recule, il permet aux Français de prendre le filet. Voilà, il essaye là encore une fois d'avancer, mais il n'a pas le bon rythme. Il n'arrive pas à lire les services du gaucher. Ouais, génialement fait pour revenir à un jeu partout. Ça va, il est là. Là, il a été très vif pour se dégager de cette balle, pour enchaîner vers le filet. Un break maintenant, ce serait parfait.